Si, si. T'étais obligé de parler par-dessus le générique, hein, Gélo, hein. Tu peux pas t'en empêcher, hein. Ça, c'est plus fort que toi, hein. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Gameblog pour un live improvisé sur FIFA 19, sur la démo de FIFA 19, qui est arrivée donc ce 13 septembre, ce jeudi 13 septembre, à 16h pétante sur PS4. Les joueurs Xbox One, pour l'instant, ils n'ont pas encore servi. Mon cher Gélo, Yes, comment ça va? ça va très bien et toi? Ben, ça va super. C'est totalement improvisé, on vous le dit, parce qu'on ignorait à quelle heure ça allait arriver exactement. Donc, on va pouvoir enfin voir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à FIFA. La dernière version à laquelle j'ai pu la dernière version que j'ai pu essayer, c'était en juillet. Je sais pas si toi tu avais eu l'occasion d'y jouer à la Gamescom ou pas. Non. Non, voilà. Donc ça fait un petit C'est ma moment. première fois. C'est mon dépucelage de FIFA 19. Ça fait un petit moment, donc c'est le moment pour nous Alors justement après, il y a de. toujours le même truc, c'est que chaque année, on se demande si la version finale va être comme celle de la démo, et en général, c'est pas le cas. C'est jamais le cas. Voilà, donc faut C'est pas se jamais le cas. formaliser si jamais on trouve Ouais. ça, je sais pas, trop rapide ou trop Bah machin. sur ce truc en fait c'est que souvent la démo est beaucoup plus lente. C'est surtout Ouais. ça, ouais. Ah là j'ai de la bonne musique là. Alors vous nous dites hein, au Alors niveau oui, du son si ça marche et il y a surtout quasiment rien là. dites-le nous. Monsieur, t'as rien toi? Pas beaucoup. C'est peut-être la prise aussi hein, qui merde un peu de ton côté. D'accord. Je crois qu'il y a un des deux jacks qui fonctionne très mal. Ah, bah on va peut-être Donc racheter n'oubliez un pas matos. sur de passer par Discord Ah non, c'est évidemment. mon petit machin, je sais. Si vous voulez discuter avec nous pendant ce live, qui va être un live de présentation générale de ce que propose la démo, vous pouvez le voir. Electronic Arts a récupéré la Ligue des Champions. Évidemment, ils le mettent bien en avant maintenant, parce que c'est quand même un trophée très prestigieux, mon Alors, t'as cher vu Julo. qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a annoncé que son maillot de Ligue des Champions serait une collaboration avec Air Jordan, la marque de Nike. Quelle grande classe! Donc, ils vont avoir un maillot noir avec le logo du PSG normal sur le Ouais. cœur et à droite le Jumpman. Super classe. Ah bah ouais, c'est plus que classe, c'est ultime. C'est la méga classe, ouais. Ils ont fait Ah un bah ouais. partenariat de 3 Donc là ans. vous voyez, il y a un petit survol de toutes les nouvelles choses qu'il y aura dans FIFA 19. Et là on peut voir donc que comme tous les ans dans la démo, on va pouvoir essayer l'aventure. Tu essaieras ça dans un deuxième temps, parce que Absolument. je vais peut-être devoir aller chercher mon fils à l'école. D'accord, Voilà. qui reviendra pour essayer la démo après avec nous, Voilà. évidemment. Oui. Les nouveautés, ces trucs qu'on vient de voir, oui. Bon alors, quand vous cliquez sur nouveautés, vous revoyez tout ce qu'on vient de voir à l'instant, évidemment, parce qu'il faut mettre en avant. Et Tout puis ce qu'on à a chaque match, on pu. va se taper l'écran, acheter le jeu. Ou peut-être pas, peut-être pas. Ou peut-être que si. Bon, Allez, coup d'envoi. on peut personnaliser aussi. Tu le savais Ouais. ça? Parce que moi, les commandes, c'est pas les bonnes pour Bah moi. non. Donc, du coup. Il faut que tu ailles sur R2, Ouais, exactement. Et je me mets en alternatif, alternatif. et tu échanges le Et R2 j'inverse. et le R1. Voilà. Et je le mets en configuration temporaire. Et Julo, je Et pense que moi, tu je auras fais la besoin de le même refaire chose. aussi. De toute façon. Ah, Donc. ce sera, quoi qu'il arrive, ce sera 4 minutes. Ok. C'est un peu On se met en court. légende. Ok. Oui. Oui, moi, j'ai pas de raison Je suis que. une légende. Tout à fait. Bon, allez, on va commencer maintenant. Est-ce que ça suffit? Attends, parce qu'il faut que je le fasse moi aussi, du coup. Là, faut que j'appuie. Sur triangle. Triangle, hop, T'aurais pu jouer en alternatif. classique, hein? Pour te rappeler le bon vieux temps. Ben moi j'ai. Non. Non, non. Je crois Voilà, que je j'ai. revérifie de mon côté au cas J'ai où. directement PES, hein. Ok, je suis bien en perso, tout va bien. Parce que tous les ans, il faut resetter quand c'est comme ça, donc c'est un peu pénible. Et donc, tu peux voir qu'on peut jouer avec l'habillage Ligue des Champions. Oh, c'est sympa, on va essayer C'est quand même ça. super classe. Ouais. On peut s'y faire. Bah non, on Classique. n'y a pas accès malheureusement. Le match D'accord. classique et le domicile extérieur, on n'y a pas accès. Le meilleur des 3 ou 5 matchs. On peut avoir un habillage de finale de coupe aussi. Très important. Et les règles spéciales, évidemment, ça fait partie des trucs qui ont été intégrés cette année, Comment à ça, un savoir. habillage de finale de coupe? Bah genre l'habillage avec la coupe à la fin et tout Ah quoi. ouais, carrément, Ah d'accord. ouais, carrément, ouais, absolument. Et donc là, les modes spéciaux où vous pouvez avoir un match sans arbitre, et c'est n'importe quoi. Un match où quand vous marquez, bah, vous perdez un joueur sur le champ. Donc du coup, il faut essayer de composer, etc. Plein de trucs très rigolos. Mais ce qui nous intéresse en premier lieu, évidemment, Voilà. c'est le. La Ligue des Le Champions. game. Play. Voilà. Merci, Julo. Donc vous pouvez voir, on ne peut malheureusement sélectionner que 12 équipes, je crois, ou 13 équipes. Bah, c'est pas mal pour une démo. Mais il n'y a pas de autre chose que des clubs. Ah. C'est un peu bizarre. C'est la vie, Julie. Alors, en quelle couleur veux-tu jouer? Comme tu veux, je Eh m'en bien, nous allons fiche. jouer dans ces On n'a qu'à couleurs. jouer dans nos vraies couleurs, non? Toi, tu prends ton maillot rayé et Ok, moi, voilà. d'accord. Eh ben, c'est parti. Et je pense que du coup, dans la version finale du jeu, il y aura le fameux maillot Ligue des Champions du PSG.
les plans de jeu dans FIFA 19, on vous en parlait, ils ont remis certaines choses à plat pour que... C'est quoi cette compo ? On puisse avoir une espèce de formation fluide, comme dans PES depuis quelques années, où vous mettez différentes couches en fonction que vous ayez ou non une position plus défensive, où vous ayez la balle, etc., etc. Et immédiatement, vous pouvez voir, je vais aller virer Sami Khedira, qui a prolongé jusqu'en 2021 à mon grand désarroi. Et je vais mettre Emre Can à la place. Ça me plaît beaucoup plus. Cancelo, ok. Tout ça, ça me plaît. Alors attends, 4-2-3-1, moi je me suis mis. Puis on va passer en plein pot juste après. Hop. Donc le jeu est en français, mais est-ce qu'on va avoir les commentaires en français ? Sachant qu'il sort le 28, on est à 15 jours. Ils peuvent se permettre de mettre des commentaires en français. Ils peuvent. Ok. Tu es prête ? Je suis prête. Eh bien, allons. Écoute, je crois pas qu'on ait besoin de changer quoi que ce soit. On va jouer dans un stade prédéfini. On va écouter la douce musique de la Ligue des Champions, du coup. Et ouais. Et là, on peut faire du snooker cage. Voilà. Que tu connaissais, évidemment, Julo, toi qui as pratiqué le football pendant des années. Dans la cour de récré, tout à fait. Hop, voilà. Et donc, tous les ans, dans FIFA, il y a des super ateliers d'entraînement. Encore une fois, ça, c'est très ludique. Et comparé, malheureusement, à PES, qui est très à la traîne là-dessus. Je sais pas où t'en es, toi, au niveau. Attends, R1 plus L. Et passe, arrête terre. Okay. Ah, merde, j'ai loupé mon coup. Là, j'assure. Voilà. Là, j'assure aussi. Et là, j'assure encore. Ah merde, j'ai touché le truc, du coup. Hop, ça s'arrête à un moment ou... Je me suis pris le plot, regarde. Ah, je l'ai pris aussi. Non, je t'ai rétamé. Oui, c'est vrai, mais parce que pendant un moment, j'ai pas assuré. Ne cherche pas d'excuses. D'accord. Bien écoute, nous allons nous mettre en plein pot et profiter de la présentation Ligue des Champions. Eh, ça commence mardi, hein. C'est vrai déjà ? Ouais. Je suis au Japon, je suis deg. Et voilà, c'est en anglais, malheureusement. Ça fait bizarre de voir Gigi en face. C'est clair. Merde. Ça fait toujours bizarre. Ah merde, Gigi. Ah toi t'as les commentaires, moi j'ai rien du tout. Je crois que j'ai pas le son. Débranche un tout petit peu. Ah oui, ça y est. Vous pouvez voir, en termes de présentation, c'est encore une fois très réussi. Les tifos, évidemment. Alors là, on n'a pas le tifo. Je me rappelle quand j'ai fait la démo en juillet. Quand tu es au Juventus Stadium, t'as un tifo avec Del Piero, en fait. Et là, c'est pas le Juventus Stadium, là ? Bah non, je pense que c'est un autre stade. Il y a un stade unique, peut-être, pour la démo ou... Parce que j'aurais bien aimé voir s'il y avait le parc. Je crois que le parc n'y est pas, non. Attends, si, c'est le Stade de France qui n'y est pas. Je sais plus. Bon, on a reconnu Rami, en tout cas. Rami, notre ami Rami. Mbappé, Rabiot, Verratti, Kurzawa, qui a une peau très bizarre. Ouais, un gros star sur la joue. Ouais. Marquinhos, ça doit être. Daniel Alves, c'est pas tiré. Daniel Alves. Non, il est blessé. Ah, si, il s'est blessé juste avant la Coupe du Monde, il a pas participé. Ouais, ça, je me rappelle, je croyais qu'il s'était barré. Ah, bah non. Il y a quelques visages qui sont quand même très très bien faits. Hein. Bien sûr, c'est très bien fait. Et Cristiano Ronaldo, évidemment. C'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus réalistes dans PES, les visages. Alors, on a un ancien Juventini à Paris et un ancien parisien. Titi parisien à la Juve. C'est Matuidi, évidemment. Le bon Blaise. Ah, la petite photo. Attends, il y a toujours Mandzukic, hein. Ouais, je l'ai pas mis, mais il est là. D'accord. Ah, t'as pas fait Mandzukic, Ronaldo, Dybala ? Non. T'as mis quoi en attaque ? Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. Et alors, qui est en pointe ? Ronaldo. Il joue en pointe à la... Pas forcément. Il le laisse quand même à gauche ? Oui, je crois bien. Voilà, vous entendez les commentaires anglais qui font vraiment qui sont vraiment exhaustifs, hein. Et là, on est parti.
et je vais immédiatement dégager le... Comment ça s'appelle déjà? LED. Maintenant. Non, tu fais d'appuyer sur R3, je crois. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Oui, mais souvent, c'est un peu... Entraîneur. Masqué. Merci. Voilà. Tu peux le faire aussi si tu veux, remarque. Alors, attends. Start. Vas-y. Entraîneur. Et tu dis non. Il me semblait que c'était R3 aussi, mais là, ils ont... Alors... Well, it does. I certainly get a little bit more excited when the knockout stages start, I must admit, but the, alors là, les contrôles, ça va très vite, hein. Ok, alors je reconnais là que par rapport à ce à quoi j'ai joué en été, c'est extrêmement rapide. Tu sais ce qui est extrêmement rapide? Le but que je vais me prendre, c'est Kylian Mbappé. Ah oui, bon, oui, il est sympa, oui, je... d'accord. Mais tu sais qu'il a que 87 de stade général, hein, donc bon. Ils peuvent les monter en cours d'année. Ouais, mais ça n'arrivera jamais, tu sais bien. Par contre, il y a un truc assez évident après avoir joué pas mal à PES. Un petit peu joué à PES. C'est que ça fait un peu plus cartoon, un peu moins photoréaliste. Merde. Allez! Oh non, je suis dégoûté! Genre, au Monstro, il est devenu fort. Il est très fort en ce moment. Ah oui, merde. Alors là, ce qu'on ne voit pas, et j'ai pas, parce que j'ai pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est la jauge, puisqu'il faut appuyer deux fois maintenant pour avoir une jauge qui va se balader ou se resserrer, si je me rappelle, non, ce qui se resserre, pour savoir si vous allez bien viser là où vous voulez. Donc plus les tirs seront difficiles, plus il faudra faire attention à cette deuxième jauge. Voilà, Gigi qui prend son temps contre son ancien club, c'est moche. Gigi, je ne te savais pas comme ça. C'est quoi ce ici c'est Paris? Il est un peu chelou. Ah, c'était le ici c'est Paris. Ouais, mais il était un peu bizarre. Ça va. Ça va vraiment très vite, hein. Tu l'as pas eu toi la jauge, la double jauge? Je vois pas de jauge, non. Alors normalement au-dessus des joueurs il y a une deuxième jauge qui apparaît. Sur les replays aussi, encore une fois FIFA est très bon. Szczęsny qui se ressemble beaucoup. Le gardien polonais. Il est très bon lui, hein. Il est plutôt il bon. Il est tout jeune, hein. Non, non, ça c'est non. Mathia Perrin qui est tout jeune et... qui est le deuxième, qui est l'autre gardien qui a été recruté cet été et qui a un grand espoir italien en termes de succession à Gigi. Douglas Costa, lui aussi, est un grand espoir brésilien. Il est très fort et j'ai fait n'importe quoi. And the keeper had to react in an instant. Oh, and does he? Wow, does he? And Ronaldo tries his luck. Buffon not encountering any difficulty. Alors je sais pas pour toi, pour moi, pour l'instant le feeling est pas mauvais, mais par contre c'est la vitesse qui me paraît un peu excessive. Une fois de plus, on n'arrête pas de se dire ça chaque année, donc. Non, sur les démos je me dis jamais ça. Sur les versions finales oui, mais sur les démos. Ah, frappe. En revanche, là, la réaction de la balle était très bien. Et voilà, Rami Boud hors jeu. Totalement hors jeu. Iti et Marie. C'est trop bizarre comment ils le disent. Il pourrait s'appliquer sur les chants supporters quand même. L'ambiance réussit, hein, perso. Mais... Non, mais c'est pas les bons. C'est pas comme ça. Là, ils sortent de nulle part, ici c'est pareil, mais ça marche pas comme ça. Bon, du calme, le gars, là. Ok. Tu réfléchis longtemps quand même, je trouve, pour. Je fais comme Buffon. Mbappé with it.
he's lost possession of the ball. Ouh, ouh, ouh. Alors je vois plus la deuxième jauge. Je suis... ah, peut-être que c'est un truc dans les options activées. Ouais, mais je vais aller voir immédiatement parce que ça me... Parce que c'est quoi le concept exactement de ces jauges ? Tu fais une frappe. Ouais. Et pendant cette frappe, il y a une jauge qui se resserre comme ça pour arriver jusqu'à la bonne zone pour que tu sois, pour que la visée soit exactement celle que tu veux. Personnaliser commande, paramètres de jeu. Alors, où est-ce que ça peut être ? Ce sera pas dans caméra, visuel. Indicateur, joueur, affichage chrono, machin. Bah, c'est où ? T'as quoi après visuel ? Audio. Non, c'est pas ça. Bah, peut-être que c'est pas dans la démo. Hein. Oui, c'est bien possible. Tant pis. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, c'est dommage en fait. C'est juste ça. J'aurais bien voulu qu'on nous le montre, mais bon. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. On verra ça plus tard. Évidemment, et hop, c'est reparti. Voyons un peu l'arrêt de Gigi là-dessus. Impeccable. Franchement, il était super bien fait, non ? Mmh. Ouais. Mmh. C'est peut-être 2 sur Ronaldo. And delivered by Pjanic. Well, it might still work out for them. Hop, très classe la façon dont on a récupéré la balle, évidemment. Ah, ah. And the counter-attack is on. Options available. Well, he's got plenty of space on the flank here. And with that, the first half draws to a close. C'est... Well, we always like to assess how things are going for Cristiano Ronaldo. A case of could do better. Très différent de ce à quoi j'avais pu jouer. First half of football, as far as he's concerned, he seemed a little bit sluggish to me, Derek. Easy for the back line to pick him up. Ouais, franchement, oui, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins appuyé. Enfin, je sais pas si t'as vu, hein, mais il y a quelques contrôles et quelques volte-face qui étaient quand même très 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 rapides. Ouf là 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 là. Mais après, ça ne veut pas dire qu'en termes d'authenticité, par contre, le reste, c'est quand même toujours impressionnant. Bref, pour l'instant, je te bousille, ouais, comme on dit. Donc il serait temps de te réveiller. Tout à fait. Alors c'est parti. Vous remarquerez aussi, hein, si vous regardez quand je touche aux jauges qui sont en bas, il n'y a plus les possibilités de mettre le bus devant la défense ou de foutre en full attaque. Ce qui est un peu. C'était un des trucs qui avait été annoncé il y a quelques années et qui faisait plaisir à tout le monde. Ça a complètement disparu. C'est un peu étonnant. Voilà, ça gagne pas au moins, ça débarrasse. Il y a plein de petits points noirs sur la pelouse, t'as vu ? Oui, en fait, c'est la pelouse qui se désagrège avec nos tacles. Ça fait quelques années. Hop, merci. Ça le faisait moins avant, non ? Oh, je sais pas, non, si. Non. Ouais. Et là, comme ça, Julot a vu de nez. Est-ce que ton fils va aimer ? Oui, toujours. En plus, c'est la Champions League. C'est bien. Et voilà. Ouh là 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 là. Tu me laisses passer, moi, j'y vais. Oi oi oi. Bah alors là. C'est la douche froide. Après 15 tirs à 1.
T'exagérais pas un petit peu là? Non, pas du tout. Là, c'est le deuxième au pire. Deuxième grosse occasion. Ah là là, l'angle qui est mal fermé. Ah, pourtant, elle est très très bien placée en même temps. Oui, c'est vrai. Mais c'est mal fermé quand même. Du coup, je vais virer le gardien. Vu la tronche, t'as pas l'impression qu'il a. Non, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu vraiment mettre plein d'imperfections sur le visage. Ouais, mais. Pour les rendre un peu c'était plus assez bizarre parce que. Réaliste. Là, le truc avec Cavani, c'est que t'avais l'impression qu'il était, il s'était pris une olive. Il avait pas l'air très content. Mais non. Putain. Hein? Ah merde! What? Mec, comment ça c'est le mec avec sa caméra, j'ai. Qu'il était avec moi. Je peux réveiller, hein, et merde! Bon, je crois que voilà le deuxième. Ou pas. Ou pas. Surtout ou pas en fait. Ouais. Ok, ok. Hop. Merci Thomas. Merci V12. Allez. Allez Polo. C'est contre-attaque à la vitesse de la lumière. Oh non. Qui a loupé ça? C'est Matuidi. Blaise. Blaise où? Bon merde. La blesse, faut qu'il fasse tirer du droit depuis l'extérieur de la surface. Voilà, là, c'est bon. Oh, je suis triste. Tiens, regarde ce qu'il voulait dire, notre ami, c'est ça. Oui, oui. Ah, oui, tiens, on est là. Voilà. Ah, vous pouvez voir les stadiers qui se baladent dans le stade. Bon, ça, c'est tout nouveau aussi. Donc là, on est à la 72e et je suis officiellement dans la merde. Mais ici, c'est Paris. Une petite faute. Oh bah une grosse faute même. Hein. Ah, un free kick. Ouais. Oh là là. Marco, il dégage. Eh bah non. Désolé, je refuse. Non, je refuse. Merde, putain, je peux que t'avoir. Ah, vas-y, je vais savoir faire ça. Moi. C'est vrai? Je suis nul. Moi, je sais le faire en vrai, tu veux. T'es deg, hein? Ah, mais non. Comment je peux faire pour résister à ça? Bah, tu faut te mettre dos au porteur. Enfin, à l'agresseur, pardon. Non! Ah, merde, j'ai pas assez appuyé. Il est blessé Cavani, comment il a fait? Là je sais pas. Allez Douglas! Allez Douglas! Non! Oh mon Didi, il est trop fort! Juventus on the front foot. Oh non, oh, c'est honteux. Ah oui. Ah bon, putain, oui. C'est dégueu. Bon alors là, complètement. Il va tellement vite qu'il a eu le temps de se retourner, de constater qu'il était hors jeu. Et... Non. Oh non, on est obligé de faire la revanche. Ou d'essayer d'autres équipes d'ailleurs. Il y a quoi comme stade on peut regarder là, on ne pouvait pas les sélectionner. Ah bon? Bah oui. Ce sera tout dans ce stade là. J'ai l'impression. En termes de mise en scène, c'est quand même autre chose que le concurrent. Ouais. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, bah ça change pas mal encore cette année, je trouve. Hein. Mais bon. C'est comme ça. C'est la vie. Est-ce qu'on peut. Oui. Que veux-tu ça, savoir? C'est nouveau ça. En fait, les stats peuvent rester
à vie. Il y a un mode. Tu vois, j'ai fait 4 tirs cadrés, t'en as fait 6. Hein. Le fait est que maintenant tu peux garder tes propres stats, les transporter avec toi. Il y a un compte qui t'est assigné. Et donc tu auras toutes tes stats, etc. C'est cool, hein? C'est cool. Mais là, c'est le moment de raquer. Et de précommander. Tu sais bien, Julo. Parce qu'il y a toutes ces fonctionnalités nouvelles que tu ne connaissais pas. Et le fut aussi. Donc on va l'acheter immédiatement. Ou pas. Allez, on refait une revanche. Ah, tu veux qu'on change d'équipe? Ouais, si tu veux. Bon, bah, en attendant, tu me donnes pas trop ton sentiment là sur ce. Bah, je t'ai dit, en termes de visuel, je trouve que ça fait un peu moins photoréaliste que PES. Mm-hmm. En termes de jeu, moi je trouve ça mieux parce que c'est toujours plus libre quand même, je trouve FIFA. Ok, bah, je vais aller vers la F3 alors. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, le Real, je pense. Allez, hop. Ok. Le Real Madrid. Ok, très bien. Madrid. Je le fais mal. Hein. Ouais, absolument. Donc alors attends, ça, c'est Estadio Metropolitano, on peut aller à Bernabeu aussi. Okay. Bon, on va aller à Bernabeu. Ou Bernabeu, comme disait Thierry Roland. Est-ce que tu veux changer des choses dans ton équipe? Est-ce que veux laisser Ramos? Isco, Benzema... tu sais, Ramos, quand tu l'as dans ton équipe, je pense que c'est bien. C'est le genre de joueur qui est détesté par tous les autres et qui est adoré par les siens. Ouais. C'était parlons-en un peu comme Gattuso, comme... Non, Gattuso, tout le monde l'adore aussi. Non, c'est sûr que si. Détesté par les autres. Quoi? Mais... Attends, qu'est-ce que je fais là? Allez, pardon. Je sais pas, moi, Thiago Motta. Thiago Motta, oui, ça se comprend. C'est les joueurs précieux, tu vois. Mais il est pas précieux, Thiago Motta, il est nul. Ah, il était ultra précieux à Paris, en tout cas. Et je crois qu'à l'Inter, c'était pareil. C'est toi qui tire, non? Non, moi, je suis à droite, là. C'est vrai? C'est moi, ça. Attends, je comprends pas. C'est quoi l'exercice là? Eh ben, on centre, vieux. Il faut que je centre. Ah oui, de l'autre côté. D'accord. Oh la vache. Faut que je centre à mon. Ah bah, moi je centre très très mal. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Presque ça. Ou pas. Ça rentre pas. Oh putain. Oh. Mais pourquoi ça va si loin en fait? Faut le centrer par-dessus les. Eh oui, monsieur. Merde. Bon, on est nul. Voilà. Vous aurez remarqué, ils sont pas aussi libres les centres quand t'es dans le jeu. Si. Ah, tu vois, là ils ont un truc spécial. Une présentation spéciale. It's very much a temple of football, the Santiago Bernabeu, right here on the Spanish capital, Madrid. My name's Derek. C'était déjà une présentation spéciale avant. Il y avait les stadios, je sais pas quoi. Ouais, il y avait la coupe, il y avait le ballon. Ouais, la coupe, oui, mais il y avait une présentation spéciale du stade. En fait, dans les précédents FIFA, certains stades des équipes partenaires avaient les plans, par exemple, au-dessus où tu voyais les voitures et tout. Ah oui, le Parc des Princes l'avait pas, celui-là, par exemple. Tu voyais pas la porte de Saint-Cloud. Porte d'Auteuil. Ah, tu voyais pas la vue aérienne quoi. Oh là, Modric. Oh, ah ouais. Drôle de tête de statue de cire quand même. Pour certains, oui. Mais il y ressemble quand même. Ah, Marcelo. Lui, c'est quand même un joueur extraordinaire. La Varane. Coupe du monde de feu. Varane, dont la sœur, j'ai appris ça aujourd'hui, est en lice pour Miss France. C'est pas vrai. Si. Que des beaux gosses dans la famille. Ah bah oui, je te confirme, après avoir vu sa sœur, tu peux dire que oui. Ah, mais il y a El Shaarawy à Rome. Ouais, absolument, ouais. Mon fils adore El Shaarawy. Bah je sais pas pourquoi. Parce que quand il était petit et que, en Italie, ses amis lui ont offert un maillot d'Italie à El Shaarawy. Ah ok, depuis il adore ça. Ouais. C'est un éternel espoir, comme il y en a beaucoup en Italie. Ah putain, il y a Pastore. Oh, c'est génial. Ouais. Et ouais. Ah, c'est génie. C'est génial. Et bah tiens, encore une fois, il y a un ancien Romain à Paris et un ancien Parisien à Rome. Il y a Thibaut Courtois aussi. Est-ce que tu sais qui est l'ancien Romain qui est sur le terrain du côté du PSG? Je vais revoir la compo parce que je ne me rappelle pas. Je te pose une colle là, hein, c'est pas évident. Oui, mais parce que faut que je vois la compo. Montrez-moi la compo.
Ah mais non, mais je suis con, j'ai pris Paris. Voilà, c'était pour ça aussi que j'aurais un peu plus de mal à trouver. Oui, non, alors si j'avais pris Paris, pardon, c'est Marquinhos. Il avait été acheté en fait 6 millions d'euros à ce jeu. D'accord, oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'apparemment à la Roma à cette époque-là, il jouait devant la défense. Mm-hmm. Et il a fini défenseur central à Paris. Et là, avec Thomas Tuchel à Paris, il rejoue à ce poste-là de sentinelle. Parce qu'il n'a pas mieux. Paris n'a pas réussi à acheter un numéro 6. Thiago Motta n'est toujours pas remplacé. Difficile de trouver plus mauvais. On n'a pas trouvé de quoi le remplacer. Ah, c'est bizarre. The group stages and then the knockout stages. C'est fou la haine que t'as pour Thiago Motta. Bah écoute, c'est vrai qu'il a jamais joué pour l'équipe de France, si tu veux que je te dise. Alors, dans ce cas-là, t'aimes pas Verratti non plus, tu veux. Bah Verratti, je suis désolé, s'il est pas sélectionné non plus là en ce moment. Bah c'est parce qu'il est blessé déjà. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Non, mais même de manière générale, non, je dirais pas Verratti. En équipe nationale, j'espère. Verratti, il faut construire l'équipe, il faut construire la nationale autour de lui. Hein. Ouais, c'est ce que tu me dis souvent, mais moi ce que j'aimerais surtout c'est qu'il construise. Bon, après c'est vrai que ça fait 2 ans qu'il a pas progressé quoi. Et ouais, ces matchs références ils sont plutôt anciens. Ouais. Je sais pas ce qu'il fout, je crois qu'il aime bien bouffer, faire la teuf et tout. Fumer des clubs, je crois, et des joints. Oui, bien sûr. Mais Marco, si tu regardes, je crois qu'il est pas très sérieux quoi. Et ouais. Après, peut-être que Mancini, hein, le nouveau sélectionneur d'Italie, arriverait peut-être à lui sortir les doigts des fesses, mais le problème c'est que Mancini, là, il est pareil. J'ai l'impression qu'il est parti dans un schéma de jeu improbable avec des joueurs aussi improbables. Rends-toi compte, Julo, le dernier match qui a été fait par l'Italie contre le Portugal, donc qui a été perdu 1-0 contre le Portugal, il n'y avait pas un Turinois sur le banc. Ne serait-ce que sur le terrain. Pas un Turinois. L'équipe championne en titre n'avait pas un seul représentant sur le terrain. Ce qui est quand même complètement fou. Un peu chelou. Complètement fou. Je crois qu'il n'y avait personne de l'Inter non plus. Enfin, c'est du gros n'importe quoi. Ce qui serait bien, c'est que Antonio Conte revienne. Parce que lui, il est comme Antonio, revient. Il est comme Deschamps, lui. Il sait ce que c'est que de faire une équipe, de faire un puzzle. Avec des hommes. Avec des joueurs qui vont devenir des hommes. Parce que. Mais surtout créer un groupe, quoi. Et ouais. C'est ce qu'il avait fait en 2016. Donc ça s'est mal fini. Donc ça s'était vraiment mal fini au tir au but contre l'Allemagne, malheureusement. Mais il avait réussi à insuffler quelque chose à une équipe faite quand même à 80% de pipe. Faut le dire. Des joueurs de seconde zone. Des burnes. T'exagères un petit peu. Non, mais franchement, des mecs comme Pelé ou Eder, enfin bon. Sans vouloir les insulter, mais. C'est pas des joueurs extraordinaires. Et pourtant, il en a fait sur le terrain pendant l'Euro. Bah des joueurs à regarder quoi. Quelle classe. Ah. Allez, je prends. J'ai voulu crocheter et passer et il a. Hop, t'as vu un petit peu ce que je suis capable de faire moi. Tu sais faire tout ça. Tiens, regarde, c'est faire ça. Oh. Ah, Fantomas. Mais non, mais j'ai rien fait, j'ai taclé comme ça avec mes crampons sur la gueule, je me suis essuyé les pieds. Ah, on peut plus essuyer les pieds. Ah, du coup, il tombe en même temps pour dire attends, faut que je fasse passer ça pour une faute sur moi. Les visages, c'est aléatoire, je trouve, dans FIFA. C'est ça le truc. C'est, lui, par exemple, super bien fait. Complètement. Mais là, ils ont pas laissé les grosses joues quand il sourit ou quand il bouge. Ils avaient des grosses joues dans la version que j'avais essayé. Enfin, remarque, ils ont pas beaucoup souri depuis tout à l'heure, mais. Modric.
Quoi? Ah, je l'ai eu, ma faute. T'es prêt pour le free kick? Ouais, vas-y, free kick avec nous. Attends, on peut pas tirer autrement. C'est... Ah si, L3, changer de caméra. Putain. Oui. Ça quand même, voilà, c'est autre chose. Ok. C'est tête. C'est pas très réaliste parfois, les, effectivement, les trajectoires de frappe, de tête. Et tout. Ah vache, ouais, là, cette tête, c'était. C'était patator. C'est pas 99, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Vache. J'ai cherché Pavard, là, mais j'ai pas trouvé. Ah! Non! Ah, Thibaut. Notre ami Thibaut. Je crois qu'il a le seum ou pas? Ok. Voilà, dans la capitale espagnole en ce moment, c'est la mi-temps. Et zéro tir. Bah dis donc, je pensais que j'en avais fait un. Tu me roules dessus donc, Julo, officiellement. Avec deux tirs, c'est vrai, je roule totalement dessus. Oui, c'est de l'aquapanage. C'est impressionnant. Absolu. Bon, fini les bêtises. Il est temps un petit peu de... d'activer des trucs. Allez, Stéphane El Shaarawy. Oh, bien sauvé de la part de Varane. Et il a repris le 27. Ah, Varane qui sacrifie alors qu'il y avait but, hein. Bien sûr, là c'était évident. Courtois a été battu. Courtois a été archi battu. Alors est-ce que je peux changer de caméra aussi, moi non plus? J'ai pas vraiment d'équipe préférée en Italie. C'est il y a, vrai y a tout, toujours un truc qui les fait aimer, tu vois. J'aime bien par exemple tu n'aimes pas la Juve depuis 96, non, un truc comme ça. Tu la détestes même depuis 96? Je déteste pas du tout la Juve. Ah bon? Ah, je croyais que tu la détestais parce que Alex Nassar par exemple, lui ouais, bah, déteste la Juve depuis un 6-0 ou un 6-1. Oui, bah 6-1. Je vois bien de quoi tu parles. Ah tiens. Joli. Oh là, très joli. Oh, je me suis chié dessus. J'avais bien ouvert mon pied gauche, mais malheureusement. Thibaut Courtois était sur la trajectoire. Ah merde, pas mal, pas mal, pas mal. Non, c'était pas mal du tout. Pas du tout ce que je voulais faire. J'aurais bien voulu entendre les commentaires quand même français de Pierre Ménès et. Marcelo. Mais bon, ce sera pas pour cette fois. Ouh là là. Hop là. Je crois que les dégagements sont moins téléguidés aussi. Il y a moins de... C'est moins systématiquement deux joueurs qui sont au duel au milieu de terrain pour la réception du ballon. Oh là là, t'as eu chaud. Tu parles? Je crois que je l'aurais fait si j'avais chaud. T'as joué avec le fire. Ça, c'est ce que tu fais d'habitude. Fire. Je te rappelle que c'est ta spéciale de faire ça. Ouais, des conneries, ouais. Voilà. Et Pierre Richard en plein match. Donne la à Pastore et fait un truc magique. Ah. Franchement. Ah. Il ah, y a rien à faire. Hein. Ouh. Ah, sympa le double contact là. Mmh, sympa le contre-favorable aussi. Attends, parce que. Il court. Très vite ce petit bail. Ni. Ah bah voilà. Bon, je fais rien du tout. Allez dehors là, Carvajal. Même pas appuyé sur le bouton carré. Et tout. Je suis vraiment nul là. C'est vrai? Ouais. Oh bah. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, il y avait Anthony qui nous demandait pour savoir si on allait suivre. Merde. Le Nintendo Direct tout à l'heure, en direct. Il n'y aura pas de live. Nous ne serons pas à la rédaction pour le suivre en direct et commenter en direct les 5 trailers qui vont apparaître à l'écran. Ah, j'ai cru que j'allais clubé, putain.
mais vous serez au courant. Vous saurez tout ce qui va se passer. C'est à minuit, hein, c'est ça? Absolument. J'ai voulu faire ça en toute tranquillité, je vais me prendre un but. Non, il y a quelque chose qui dit que t'as pas le droit. Thibaut Courtois. Mais comment un joueur peut se dire tiens je vais viser pile sur Thibaut Courtois? Et t'as vu la situation en termes défensifs, là c'était n'importe quoi. Ouais. Parce que je fais peut-être n'importe quoi aussi. C'est possible, mais n'empêche que... Moi tu sais que je joue comme une brêle, t'as remarqué. Mais non, parce que ton fils il joue bien, donc je vois pas pourquoi toi tu jouerais mal. Ah, parce que c'est lui comme qui joue de temps en temps. Tu sais, à chaque fois que tu vois Julo est en train de jouer à FIFA. C'est en lui fait, c'est lui, c'est pas moi. Il joue avec toi, non? Non, pas si souvent que ça. Non. C'est vrai? Non, il tire ses cartes à foot, là, à fut. Ah, tu veux dire qu'il utilise ta carte bleue et tout? Non. Là, en ce moment, il collectionne les canettes de Coca. Ouais. Parce que dessus, il y a des codes qui permettent d'avoir des tirages. Dans fut? Ouais. C'est vrai? Ouais. Quelle classe? Deuxième poteau. Ah, c'est pas du tout là que je voulais la mettre. Oh non, le final whistle. It's the final whistle. Toulouloulou. Je pense qu'on en fasse un troisième et après on entend. Ah, et Ramos il fait comme moi. C'est-à-dire? Bah une bague de chaque côté. Si tu... Macron fait ça aussi, j'ai remarqué. Macron, Ramos et moi. Et voilà. Et alors là, je sais pas quoi penser. Non, mais tu sais, c'est... Porter une bague sur l'annulaire gauche, ouais. C'est le mariage. La droite, normalement, soit ça veut rien dire, soit ça veut dire que t'as perdu ton épouse ou un truc comme ça. Et moi, c'est ma bague de fiançailles que j'ai mis là. Voilà, je raconte ma vie. Et donc, c'est assez rare de voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Comme Macron à Ramos. Ouais. Je sais pas, j'ai vu que Ramos, là, il avait justement, tu sais, c'est les deux sparadraps. Ramos. Bah ouais. Manu, si tu nous regardes. Et Sergio, pareil. Est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on fait? Bon, un troisième match. Ok. Vite fait. Ouais. En deux spies, et ensuite tu te casseras et je montrerai le mode aventure, qui j'imagine est comme tous les ans, un petit match de chauffe avec un bout de scénario. Allez. Qui vais-je prendre pour te coller dans la clé pour finir? Donc non, pas Pep. Bah écoute, je vais prendre l'Atletico, voilà. Ok. Rep à ça. Bah Munchen. Tu prends donc le Bayern Munich, tu prends les Panzer. C'est parti. Je crois que j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Ribéry, Rodriguez. Peut-être Savic que je devrais mettre, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Je crois que mon équipe est très bien. Il y a quel âge Ribéry, sans déconner? Je sais pas, moi c'est Robben, la question que je me pose en général. Robben, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il joue au plus haut niveau. Et il a toujours une tête de vieux. Il avait déjà une tête de vieux, ouais. Il a toujours eu une tête de vieux. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je peux tirer? Bah, t'avances. Puis tu shootes. Puis tu reviens. Puis tu passes là. Et puis tu shootes. Voilà. Pourquoi je tire toujours au-dessus? Puis tu reviens. Hop. Et puis tu fais ça, et puis tu fais paf, et tu shoot. Ah, c'est... Attends, je... Le L2, c'est à nouveau pour... Ah, merde, je crois qu'il l'avait viré, ça. Ou je confonds avec PES. Attends, L2, c'est L2 et tir, hein, c'est ça? L2, c'est la grosse patate. Mais ça, c'était toujours dans FIFA, ça. Ah, mais je me rappelle plus. Je me rappelle. C'est... Moi, je me rappelle. Pourquoi on l'a fait réessayer? Hop, grosse patate, poteau, on zappe. Il faut quand même... C'est R2 en finesse. Ouais. L2 en force. Ouais, L2, je me souvenais plus. Non, parce que j'utilise jamais vraiment, c'est les gris-gris, les tricks, quoi. Mm. Tu sais pourquoi? Ouais, il faut s'en rappeler, c'est ça le problème. On a déjà du mal à se rappeler où on habite. Alors, si en plus on doit se rappeler des tricks. Donc Ribéry, je crois qu'il a 36 ans maintenant, il me semble. Ah ouais? Peut-être que d'autres nous confirmeront, mais il me semble qu'il est... Ouais. Tu te rends compte que ces gens-là sont plus jeunes que nous, Julien? Ouais, on est en train de dire qu'ils sont vieux. Tu te rends compte que Gigi Buffon est plus jeune que toi? Bah, Gigi, il vient d'avoir 40 ans. Il les a eu en janvier. Eh bien, oui, il y a quelques mois de plus que moi. Ouais. De moins que moi, exactement. Gigi. Gigi. Novembre, décembre, janvier. Il a 3 mois de plus. De moins.
Si seulement j'avais eu le commencement, le début de sa carrière. De sa classe, ouais, hein. De sa classe. Thomas Müller, vachement bien fait. Alors t'as vu que Areola a fait un match assez incroyable avec la France là. Non, je l'ai pas vu le match. T'en as entendu parler, j'imagine. Oui, j'ai vu l'arrêt. Les arrêts, tu veux dire. Bon, j'en ai vu un en particulier, une extension. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que c'est le troisième d'une série en deux minutes, quoi. Ah ouais. Et ouais. Et si c'était pris un but, tout le monde lui aurait chié dessus. Comme à chaque fois. Ouais. Tout le monde aurait dit, oh, quelle prestation minable. Je peux pas le saquer. Douglas Costa. Attends, Diego Costa. Diego, Douglas, Diego, c'est le Turinois. Diego Costa, la personne l'aime, mais il est efficace. Ah oui, oui, ça, pas de doute. Mais j'aime pas le joueur, quoi. J'aime pas le mec, quoi. Bah écoute. Comme toi avec Thiago Motta, j'imagine que c'est un peu irrationnel. Non, c'est tout à fait rationnel. Ça va au-delà, vraiment. Non, ça va juste dans le sportif. Thiago Motta, c'est. Alors, on a vu Oblak qui s'échauffait, c'est encore une fois très bien fait. Hop. Comment tu lèves la balle? Je suis comme toi. Putain, tu m'énerves. Mais oui, trois fois que tu le fais, mais tu ne sais pas le faire. Regarde, hop, là, tu restes appuyé. Ah là là, tu restes appuyé sur quoi? Bah, sur le stick. Attends, le stick droit? Bah oui. Attends, mais c'est. Comment tu fais pour oublier ça, Julo? Tiens, petit enroulé, ça marche pas. C'est où? Avant de contrôler la balle, tu restes déjà appuyé. Tu la contrôles, ouais. Montez. Donc j'ai shooté dans un de mes joueurs, qu'est-ce qui se passe là? À quel moment c'est un 6 mètres? Mais non. Ah. Antoine. Oh le bâtard. Putain. Oh le bâtard. Oh. Oh non putain. Le football c'est pas compliqué. Oh non. C'est surtout injuste. Emmanuel Neuer. Du genou, peinard. Allez, oh non. Ça c'était inspirational. J'espère que t'en es conscient. Tu vois que tu sais faire des tricks? Tu te fais moi. Ça c'est quand tu vas juste sur un côté. Ah! Quelle classe. Et tu la pousses et t'y vas. Merde. Hop, belle intervention. Mais il y a de jolis animes et tout, mais c'est vrai que. Mais ouais, tiens, ouais, c'est super rapide et ça manque un peu d'inertie, je trouve. Pourquoi ils nous repassent ce truc encore? Bah, parce que c'était une super action. C'est Manu, quoi. Et là, on peut changer de vue aussi? Non. Ah, c'est chiant ça, je supporte pas ces corners. Ah, j'aime pas c'est chiant. Pas incroyable, tiens. Très, très, très performant sur les corners. Ah, ouais, non, mais je. Alors là, Julo. Je comprends pas qu'il continue avec ce système de merde. Allez, on va pousser l'équipe vers l'avant pour la peine. Allez, montez. Et voilà. Faut juste y mettre du cœur. Ouais. Alors, comment je vais aller là-dessus? Pas comme ça déjà. Ah, là j'ai laissé passer comme un con. Ah! Ah là 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 là, les mares! Les mares! Ouh, j'ai bien fait n'importe quoi, heureusement. Ah! Fantomas! Heureusement, Julo est maladroit. Enfin, j'espère. Encore un peu. Oh, ça y est. Julo est en mode autopilote. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Le gardien qui refuse de prendre la balle. Allez, les gars, allez.
Très très intéressant. Un très beau lob ah, de la ligne. Là, j'avoue, Martinez dans ses œuvres. Ah les gars, je l'envoie là-bas. Non, 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 fais pas ça. Non. Mais c'est Martinez. Ne l'envoie pas là-bas. C'est les gens qui vont au Martinez en fait à Cannes. Ouais, c'est ça. C'est... Ou bon, Martini, je sais pas. Martinez. Ok, il va chercher très loin ce calembour quand même. Vraiment. Oui, complètement. Top niveau là. Par contre, tu m'as piqué la balle. Ah bah sans problème. Genre super facile quoi. C'est vraiment. Allez mon gars. Genre, je suis t'habillage. Allez, Oblak. Oblak qui rassure. Ah, ok. Ok. J'ai l'impression que je te pose des problèmes là. Ouais, je crois que tout le monde me pose des problèmes maintenant. Là, je... Mais. Ah non, Douglas Costa, Diego Costa qui aurait pu passer devant. Mais... Oh les gars, tout va bien. Ok, je pose la balle. Et je dégage tout ça. Ou pas. Oh! Petit amorti en aile de pigeon. Bravo, Julo. Mais j'ai rien fait. Bah, c'est normal. C'était automatique. Enfin, je crois pas. Ah, un truc, et Diego Costa qui fait une frappe de poussin. Je vais essayer de le refaire. Qui n'inquiète personne. De quoi, tu penses que tu vas refaire la même? Bah non. C'est totalement contextualisé. Oh là 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 là. J'ai dû le tirer en force. J'ai vraiment l'impression que ça peut aller très très vite. Hein. Au moins aussi vite que l'année dernière. Et qu'on peut... du rythme du jeu. Ah ouais, et puis qu'on peut vraiment encore une fois zapper les lignes en deux passes. Bah en même temps, ça existe hein, dans le football. Oui, mais tout le temps, non. Après, c'est qu'une impression, hein. Peut-être que je me trompe. C'était YouTube ou j'avais? Non, pas du tout. C'est... In the name. Non, mais alors, tu vas être complètement incapable. Hein, toi. C'est fou qu'ils vont avoir les droits pour publier, pour diffuser Pride à l'intérieur de ce jeu. Juan Fran, Barthez, Lemar. J'ai vraiment envie de recommencer ça. Là. C'est vrai? Ouais. Et ben non. Hop là! Et merde! Oh! Oh ah là putain, là je rentrais pas! Je l'ai tiré en force, c'est pour ça que je me suis dit merde. Oh, qu'est-ce que c'est que cette célébration? C'est sa célébration, Rodriguez, ça? Je savais pas. Parce que je touchais à rien. Hein. Je la connaissais pas. C'est la danse des canards. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais t'as très bien défendu hein, dans ce histoire, bravo. Ouais. Franchement. Très bien, je m'en vais. Un peu bizarre, oh, cette sortie hein. Aussi. Il faut arrêter avec Oblak. Hein. Je sais pas d'où ça sort, mais ah, je sais pas. Si quelqu'un sait, bah, c'est peut-être sa célébration, Rodriguez. James. J'ai pas le souvenir qu'il ait fait ça un jour. Mais... Meula. Bon, ça suffit les comptes favorables là, non peut-être. Il y a un moment où. Boula. Trax là. C'est quoi, je vais la faire, hein. Tu sais quoi, je m'en fous en fait. Ça revient exactement au même. Non, pas là, non. Just couldn't hold the ball, Felipe Luis. And it's with Robert Lewandowski. C'est pas mal. And a powerful effort, but just lacking accuracy. Est-ce que je vais faire un petit changement? Non. Je vais faire le changement suggéré. In the name. D'accord, très bien. Leon Goretzka.
Quant à Robert Lewandowski. Ça serait bien que j'ai un petit compte favorable moi aussi de temps en temps, ça ne me dérangerait pas. Ah, je respire. Ouais, il faut que tu respires. On va faire ça alors. Hein. Saul. Eh oui, better call Saul. Mais c'est fou. C'est fou, les frappes elles vont à Mac 2 et les gardiens ils les arrêtent sans problème. Qu'est-ce que c'est que ce dégagement? C'est du caca. Tu me Saoul. Lamar. Mais non. Well, regaining possession for his side cleverly. J'ai ta face ça. C'est un. The ball with Rodri. A lot of momentum to this. Bordel. James Rodriguez. Allez, cours. In the second half, trailing, albeit by a small margin. On va demander à tout le monde de monter un peu là parce que ça commence à être emmerdant. Still in this game, make no mistake about that. We always used to say on the pitch if we were losing near the end, we're bound to get one more possible, chance. Les Let's see if they do. Inside route here. Müller. Pourquoi je suis autant dévissé sur les tirs? Aucune idée. Well, you taught as a youngster technique. C'est vrai que t'as bien dévissé. Non, vraiment, j'arrive pas à tirer en fait. Il y a un truc qui a changé ou c'est bon? Bah les, je sais pas, tous les paramètres à prendre en compte. Quand tu shoots, je sais pas. J'ai l'impression de tirer quand même. C'est semi-automatique hein, quand tu tires, on est d'accord? Oui. Ça devrait pas être aussi dans les tribunes que ça, quoi. Si ça dépend. Peut-être que t'es vraiment mauvais. Ou peut-être pas. Oh là là, ils peuvent pas tendre la jambe, hein, c'est con. Ah bordel, j'avais réussi à faire un super contrôle. J'avais pas fait une concession. Ok. Faute. N'importe quoi. Attends, je gagne du temps. Ouais, j'ai remarqué. De toute façon, ça va siffler. La balle va franchir la ligne, ça va siffler. Ça va? Ouais, ça va. Mais dépêche-toi si t'as besoin d'aller chercher ton fils. On sait jamais. Non, mais j'ai décidé de le laisser traîner. Voilà. C'est un échec total pour moi. Ouais. Et oui. Le moment donc de montrer l'aventure. Je te laisse tranquille pendant l'aventure, alors? Bah, c'est à moins que tu veuilles voir un petit peu quand même. Des fois que ça t'intéresse. Des fois que... T'as envie de faire ton métier. Mais des fois que ton fils t'attend aussi peut-être. Ouais, exactement. Bah c'était un plaisir. Et bah pareil. Je soupçonne quand même que c'est vachement accéléré pour les besoins de la démo. Tu penses que c'est pour les besoins de la démo? Ouais. Parce que généralement la démo est justement un peu plus lent. Mais... Quand est-ce qu'on le revoit pour le tester finalement? C'est aucune très idée. Bientôt. Hein. Aucune idée. Ça va être très bientôt. Aucune idée. Bon, aucune idée. Et moi je vous laisse en mode compagnie. Voilà. Adios. A plus Julo. Allez, on va aller voir l'aventure rapidos. Ou pas. Ah si, ça marche. Hop, surtout je vais pousser ça. Et me remettre ici. Alors, vous voyez donc que pour le mode aventure Champions, vous savez quoi, on va repasser comme ça. Ou pas. Je vais juste virer cette chaise. Hop là, voilà. Donc pour le mode Champions, enfin pour le mode aventure qui donc s'appelle Champions cette année, puisque... Bah, ils vont jouer la Champions League, surtout Alex Hunter. Eh bien, vous avez le choix, vous aurez le choix de pouvoir jouer trois personnages en plus de Alex Hunter. Sadmi Sir, Kim Hunter, qui est américaine et qui va jouer avec l'équipe nationale des États-Unis catégorie féminine. Et Danny Williams, son meilleur pote, vous savez, celui que, avec qui on avait un petit peu de mal au début du premier mode aventure dans FIFA 17, et qui finalement est un bon petit gars. Mais là, pour l'instant, la séquence en question... C'est Alex Hunter, donc j'imagine
avec un pré-match durant lequel on va répondre à deux phrases et après le match. And. Oh. Lucky you avoided us in the draw, bro. Oh yeah, I know it would have been awkward, wouldn't it, getting knocked out to your old team? Yeah. Your dreams of Champions League glory shattered. I don't know how I could have lived. Ah, ils font un FaceTime donc avec son meilleur pote. Un petit tirage de Ligue des Champions. We're going up against Terry, though. Come on, papers will love that. Brothers on the same pitch. Yeah, going to be pretty special. Oh, that'll be Michael. How's he doing? He's got the Williams international icon on his books. How do you think he's doing? Well, tell him I said hi. If I'm feeling like it. All right, bye-bye, mate. Alex, there is a FIFA Say No to Racism event happening in Madrid this month, and you've been invited. All the top stars will be there. Neymar, De Bruyne, Ronaldo, it's a must. Next, you have to think about what charity you want to donate to. I'll set up an interview after training to make the announcement. Right. And then we seriously have to start thinking about your brand. The photo shoot is only a few weeks out, and we have to have your logo locked in before then. Way ahead of you. Oh. My mom, she's a proper designer, been working at this firm, yeah? I was thinking that maybe she could come on board, do the design. It's an interesting idea, but perhaps somebody she's more versed in... She's been around the game for years, ever since she met my dad. And no one knows me better. It'd be perfect. Yeah, mom? Ouh là là, ça sent déjà l'embrouille, juste pour une histoire de design de marque Alex Hunter. Qui donc est arrivé au Real Madrid maintenant ? Au milieu de tous ces grands joueurs. Sauf Ronaldo ! Eh oui, Ronaldo, il s'est tiré à la Juve. Et le numéro 29. Alex Hunter. Alex, come on, leave them. Et donc c'est jamais l'entraîneur qui vient parler à Alex Hunter, c'est toujours un adjoint. Toujours. New player in the middle. Oh, come on. Those are the rules. Ah, c'est le bizutage. On va suivre le bizutage d'Alex Hunter au Real Madrid. Et donc il va faire le taureau. Non, pas du tout, c'est pas du tout un bizutage, c'est vraiment un exercice où quand on n'est plus au milieu, bah hop. C'est rigolo, c'est très rigolo. Mais je crois que je surperforme là. Je suis le roi de la passe à ras de terre, visiblement. Hop. Voilà, voilà, donc pour l'instant j'ai un niveau assez excellent. Je suis... vraiment très fort, et voilà. Ah, excellent, parfait. En même temps, c'était pas très difficile. Par contre, si je me suis foutu en légende, je suis profondément dans la merde. Réaliser une passe décisive et remporter le match. Ok, on va tenter de faire ça. Donc comme d'hab, il y aura des objectifs scénarisés pour faire progresser Hunter. Et c'est parti. Sauf que je peux pas bouger. Ah voilà.
This is Gareth Bale. Casemiro, his pass gobbled up. Bale, Toni Kroos, Hunter. And a throw in forthcoming. This is Gareth Bale. Look at Modric. Juan Mata. Alors Juan Mata qui vient de me briser les reins. Paul Pogba. It's Manchester United on the move. Now what can they do from here? Je sais pas si vous voyez, mais les joueurs glissent beaucoup quand même et se prendre un petit pont, c'est tellement facile là. The cross played over, but ultimately up a cul-de-sac. Romelu Lukaku and Pogba. And Alexis Sanchez waiting to pounce. Well, he got the touch on the ball, and so a corner it'll be. J'ai peur. A corner courtesy of Juan Mata. Another corner. Almost what you might call a jaw-dropping save. Oh, he's got no right to make that save. It's absolutely fantastic. Et Lukaku qui fait ce qu'il veut. And it is the opening goal of the contest. Well, it was always going to be a tight game, but now all of a sudden one team ahead. Things have got to change on both sides. Par Lukaku donc. So back underway in this game, Manchester United with the advantage. Ce grand garçon. This is Kroos. Marco Asensio. Look at Modric. Ah là là, j'ai foiré mon tir. Decidedly lacking accuracy. Well, he had other options as well, but he chose to shoot. We're now inside the final 20 minutes of the game. Ashley Young and Alexis Sanchez. Looking confident with the ball at his feet. Thumped clear. Hunter. This is Gareth Bale. The Merengues have lost the ball. Pogba. And Mata. Lukaku waiting. Not messing around with that clearance. Is he going to punish them here? This is Nemanja Matic. And options in the centre. No nonsense clearance. Well, a long range effort, but into the goalkeeper's midriff. Yeah, the hardest thing is picking the flight up. Once he's done that, it's pretty simple. And in the second half, the signs are positive. They can't relax, Lee, but they ought to be pleased. Well, with a narrow lead and the clock ticking, it's so easy for the United. And here is Juan Mata. He's going forward well here. Modric. Now Casemiro. Ander Herrera. Ah, évidemment. I think he knew he was guilty of fouling. Free kick conceded. And the offence sufficiently sinister to warrant a yellow card. Yes, agree with that one, Derek. He's got to be careful now. Hunter. This is Kroos, Marcelo, intelligent threaded pass here, Marco Asensio. No! Allez, lourd. The ball with Valencia, Nemanja Matic has it, Ander Herrera. Ils se retournent tous à une vitesse. Neat interception by Pogba. Here's Alexis Sanchez. The ball with Luka Modric. Hunter. In possession, Marcelo. No, no, no. Ander Herrera. Hop. Bon, il serait temps que je réussisse une contre-attaque à un moment. Non, visiblement ça ne veut pas. Gareth Bale. Toni Kroos. We have entered the final minute of normal time.
in an attacking position, but they've got to do something positive quickly. And he's clear his lines. We've had the official word. There will be a minimum of 2 added minutes. And the defender takes care of business. Ben dis donc, c'est pas glorieux pour moi. Et José Mourinho, donc, qui est très content. Mais moi, pas trop. Ah, forcément, la performance, elle est pas là. Du coup, quel impact est-ce que ça va avoir sur le scénario ? Est-ce que je vais refaire un taureau, mais cette fois, dans des conditions humiliantes ? Allez savoir. After a long wait, you finally had your first taste of Champions League football. Yeah, it was fun, but I just really was focused on getting a result. The fans here expect success in the Champions League, and I need to do everything I can to give it to them. Well, you didn't find any moments to relish just a little bit? Oh, come now, I didn't say that. But those moments were just for me. Well, fair enough, Alex. Thanks for speaking with me. Pleasure. Voilà, donc c'était l'aperçu du mode aventure, encore plus radin que les années précédentes. Avec un petit bout vite fait avant le match, un taureau et un match de 1 minute 50. Bon bah voilà, c'est un extrait quoi, c'est la démo, donc forcément pas tout mettre non plus dès le départ, mais c'est vrai que c'était très court, c'était très très court. Voilà, bon on va s'arrêter là pour la démo, on espère que vous qui allez la télécharger, vous trouverez votre bonheur avec. De toute façon, on vous demandera évidemment très rapidement ce que vous en pensez. Je sais pas si on va continuer à jouer sur la démo, peut-être qu'on va attendre tout simplement la version finale pour se faire un véritable avis. Là pour le coup, je dois avouer que je suis un petit peu mitigé, voire très mitigé. Bon, bref, la démo est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Normalement PS4 en tout cas c'est le cas, mais Xbox One et PC devraient pas tarder. Le jeu sort lui le 28 septembre prochain sur tous ces supports que je viens de citer, plus la Nintendo Switch, mais ce sera une version custom sur Nintendo Switch une fois de plus. Donc on verra ce qu'elle vaut à ce moment-là. Et ben nous on va retourner sur Gameblog pour la suite des aventures du site avec des infos et des news et des tests et un podcast. N'oubliez pas qu'on a recommencé le podcast. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous embrasse. Et à très bientôt.